Bonjour à tous et bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 8 de l'Héritage Maudit. Je suis en compagnie de Julien. Salut, salut, salut à toi. Salut à toi, comment tu vas? Ça va bien et toi? Moi, ça va bien, ça va bien. On tourne Ça l'Héritage va Maudit, bien? donc tout va bien. Hi. Toujours cette maudite ferme. Toujours, ouais, toujours. Bah, elle commence à être un peu moins maudite. Avec ce maudit crédit qui réduit. Il réduit, qui réduit. On est Ouais. arrivé Oui. aujourd'hui. Comme on vous l'a promis, c'est un petit défi qui nous attend. Faire 50 000 euros de mission. Donc les revenus de récolte comptent dedans. Autant de missions qu'on veut, mais on a une heure pour faire ça. Vous aurez le chronomètre qui va tourner en haut de votre écran. Comme ça, on ne pourra pas tricher même sur les accélérés. Et puis bah, ça va être parti. Et puis bah, à la fin, comme on vous avait dit, soit c'est un tirage au sort. Ça va être un tirage au sort pour choisir le véhicule qui sera pris par le banquier. Si on perd et si on gagne, on aura le droit pour notre prochaine moisson d'avoir une moissonneuse, la future moissonneuse qu'on va acheter en location par le gérant du concessionnaire. Et gratuitement, bien sûr. Oh, pas les Bah papiers. oui. Gérard, il va nous faire ça gratos. Allez, c'est parti. Papy, lui commence par l'engrais. Moi, je vais commencer par la moisson. Donc, hop, j'ai pris notre benne et on a la moissonneuse. Il va servir toute l'émission, du coup. Sinon, ça a fait un peu beaucoup de bazar. Barre de coupe, vous devez d'abord déplier. Ah, j'ai peut-être pas déplié la machine par contre. Donc, cette partie. Non, j'ai pas mis le chrono en route. Le SNAZ, il est où le SNAZ? C'est parti. Normalement, il devrait apparaître dans l'écran. Yes, c'est parti. Je vais faire des accélérés, hein, bien sûr, dans la vidéo. Il faudra pas s'inquiéter. Je changerai avec Papy. Ouais. Du coup, ça va être un point de vente à chaque fois. Et toutes les missions concordent pas au même endroit, deux points de vente à chaque fois. Donc voilà. Donc, on a pris une classe 128. Il n'y a pas beaucoup de rendement dans leur champ. Oh. Oh, c'est même pas fertilisé, je suis sûr, en plus. Les gars, encore merci pour toutes les vues, les pouces bleus, les commentaires. Cette série a l'air de vous plaire. C'est juste énorme. Merci à tous. Pourquoi tu montes pas la côte? Ah, d'accord. Pas la côte. Aïe. Ah, carré. Ah, bah d'accord. Elle monte pas la côte. Putain, elle est moins puissante que la John Deere. Allez, Ah non, sinon. pourtant je l'ai prise en 200. La barre de coupe qui va avec. Je sais pas. Je crois pas. Ah. Là, j'y arrive, mais j'ai l'impression que des fois, elle racle trop par terre et du coup. Ah. Ah, c'est la Grisonic que t'as pris? Non, c'est pas une classe Non, d'origine. c'est non, c'est ouais, non, non. Elle est J'ai repliable? pris une repliable pour que ça soit plus pratique, ouais. Ouais, elle est repliable. Ah bah, elle a l'air de traîner par terre dans les montées. Merde. On aurait dû essayer avant. C'est pas grave, on se rajoute un peu de difficulté. Et là, je peux pas détourer dans la montée. La merdasse. C'est pas grave. Normalement, on est en train. Les aléas du direct. Ah non, c'est l'enregistrement. Oh, Papy a déjà fini un contrat. En même temps, on a loué, oui. C'était pour la mission, on ne voulait pas louer non plus trop grosse moissonneuse pour pas Bah tricher. non, ouais non. Je pense qu'il faudra qu'on regarde la barre de coupe qui va avec celle-là quand même. Ouais. Bon, allez, je vais vous laisser avec un petit accéléré. J'ai enfin trouvé les bons réglages pour OBS. J'ai plus de coups de lag et je peux mettre la cam. C'est cool! Enfin, trouver les réglages. Désinstaller. Enlever tous les fichiers. Réinstaller. Remettre mes réglages. Et hop, c'était reparti. Il y avait bug. Bon, allez. Au bout de la ligne droite, on se laisse avec un accéléré. Voilà.
Ouais, la barre de coupe doit être. Merde, tu fais chier. Trop grosse en puissance, à peine monté, je suis sur descente de 5 km après. Allez, on se retrouve, j'ai déjà fini un champ, papy a fini toute l'émission. D'engrais. D'engrais, donc je fais juste un point avec les abonnés. Revenu de contrat, on a 11 498, mais il faut qu'on se rajoute 1495 à ça, parce qu'on a une mission qui a bugué. Et plus le revenu d'école que 1600. On est loin du compte encore. C'est mal. C'est pour ça que l'on s'est mis à faire deux missions. Vraiment à deux dans les moissonneuses avec papy. On a repris la note. Voilà. On est mal, on est mal, on est mal. Il reste 27 minutes comme vous voyez sur le compteur. En chier. Par contre, on se prépare à perdre un véhicule. Ouais. Bon, par contre, qui dit véhicule saisi par la banque, dit véhicule vendu. Qui dit l'argent qui vient sur notre compte repart directement à la banque pour rembourser le prêt. Et le seul avantage qu'on va tirer de ça, encore, ça dépend c'est quel véhicule. Parce que si on prend encore la moissonneuse, bon, sur une vu qu'on va la louer pour une énorme moisson. Dire ça sera remboursé ce qu'on va vendre, mais si on perd le Ford, le Fendt, ça veut dire que soit faut qu'on loue un tracteur en tout temps, ouais, soit qu'on tourne qu'avec le John Deere et Ford ou Fendt, donc ça va vraiment être galère. Là, c'est quitte ou double. T'as vu, regarde, le nouveau paysan qui est à côté là. Il a commencé ton champ, il est parti, tu sais. Il a laissé. C'est encore un parisien, ça. Ouais, pas rigolo, mais. Hein, hein. Il a voulu se lancer dans le monde agricole, mais. Ça travaille pas. Ouais, mais j'ai cru que c'était comme à Paris, tu sais. Je bois un... je commence à moissonner, je m'arrête, je vais en terrasse, je vais boire un coup. Je suis... les terrasses sont ouvertes, il est parti boire un coup, je suis sûr. Ouais, je suis sûr, il est chez Jackie, là. Il est déjà en train de boire un coup. Ouais. Jackie, puis il est parti voir Michel aussi. Ouais, voilà. J'ai peur de vous dire qu'on ne va pas y arriver, les abonnés. Non, à mon avis, là, c'est perdu d'avance. Ouais. Donc, comme quoi, des défis, on peut en louper. C'est pas toujours des gagnants. Et c'est pas fait exprès. On pensait vraiment y arriver à... Il y a eu plus mission d'engrais, c'était peut-être faisable. Mais ouais. Là, j'en ai plus. Et j'ai pas le temps de regarder la map pour ajouter des missions dessus. Et déjà qu'on finisse toutes celles qui sont planchées. Parce que, bien sûr, quand on aura fini... Bah ça, toutes les missions qu'on a sélectionnées, bah on fera d'annuler. Enfin, sauf celle qui sera en cours, on la terminera pour pas perdre le main quand même. Les autres qu'on n'aura pas le temps de faire, mais voilà, on les annulera. Donc on les perdra aussi pour nous perso, d'un côté. Donc voilà, voilà. On va finir le champ là ensemble, je pense, et puis bon, on remettra un accéléré à fur et à mesure. Il y en a un ou deux qui ira vendre, tant que l'autre attaque un autre champ. Je crois que de toute façon, celui-là, on va livrer moins loin à cause, parce que le premier, il était loin. J'ai mis un ouvrier. Mais... L'idéal, franchement, c'est que le tirage au sort désigne quand même la moissonneuse ou le John Deere. La moissonneuse, ouais.
Encore le John Deere, il nous sert un peu quand même, mine de rien. Oui. Le tracteur à papy, si tu veux, il va rester jusqu'au bout de la série, vous devriez voir. Il coûtera Bah quoi? si, oui, s'il est pas saisi, ouais. Il serait capable de se le racheter après. Il va voir Gérard au concessionnaire, lui demander c'est qui l'a vendu, puis il le rachète. Je vais le racheter quand on sera riche. D'ailleurs, il faudra peut-être qu'on se motive un de ces quatre à aller voir le nouveau président, voir ce qu'il nous prépare, parce que c'est pour piquer Ouais. notre business celui-là. Il va nous piquer nos terrains qu'on veut acheter, nos futurs terrains. Il va falloir qu'on lui dise notre façon de penser. Bah puis qu'on arrive à le rencontrer déjà. Ah, déjà, oui. Après, si c'est Là, que. il aurait été là, on aurait pu aller le voir, on était à côté. Ah, c'est ça. Après, je pense que c'est que si c'est quelqu'un de correct, on pourra s'entendre avec, on pourra faire des choses Ouais. avec. Mine de rien, il faudra bien qu'on passe dans un silage un jour pour nos vaches. Bah oui, donc ce serait pas mal qu'on parte sur de bonnes bases. C'est ça. Mais bon. On verra. Ouais. Le futur nous le dira. Là, lui, ça a l'air d'être qui s'est installé. Il a repris l'ancienne bergerie, je crois. Du village, je suis pas sûr. J'ai pas regardé correctement, mais. Je faisais chier, je peux pas reprendre ma borne correctement. Putain. Penser dans le tricot. En tricot, on va tricoter. Bah ouais. Ah, plus grosse sa barre de coupe quand même, Gata. Hein. Je sais pas si c'est du combien, nous, mais un plus gros, c'est le Gata. Hein. Tu crois? Oh non. Ah ouais, non. Ouais, pour beaucoup à mon avis. Hein. Là, du coup, Ça se voit. la moissonneuse que Papy utilise et que j'avais en début d'épisode, c'est la future qu'on voulait acheter. Mais elle prend qu'une barre de coupe de 5,1 m. On essaie de mettre plus gros C'est pas plus dessus. gros. Et Ouais. elle tire pas en montée, donc c'est pas la peine. Puis ça fait pas beaucoup plus gros de ce qu'on a, donc si c'est pour changer, Après, pire prendre la même taille. on a encore deux modèles en tête à tester, mais ça on testera de notre Ouais. côté. Tu prends? Va vider ma benne. Hop. Oh yeah, fait chier là. Pourquoi j'avais dit 50 000? Pourquoi j'ai pas dit 20 000? C'est sous-estimé, je crois. Bah vu le revenu des récoltes en plus, enfin le prix d'émission, c'est pas cher payé. Après, on a quoi? On est en normal ou en facile? Je sais plus sur cette série. Normal, normalement, t'avais mis. Oui, donc on peut pas chercher en normal. En facile, ça va plus facile. Après, on est dans quel champ là? On est dans le 150. 150, après il y a quoi? On pourrait aller à l'autre bout, 174. Moi je regarde Pourquoi déjà. il Parce vit plus, moi? que la Oh benne a là. peut-être pleine. Non, non, non. Mais oh là, c'est quoi les coups de. La coop agricole. La coop agricole, elle Ah, est. elle veut plus. Ah si, ça y est, elle est vide. J'ai rien dit. Ah, faut se mettre à des endroits sur la benne. Putain, la coop agricole. Putain, elle est là. Oh, faut que je reprenne où là? Faut que je reprenne tac, le chemin là. Reprendre là. Okay. Bah, je te laisse y aller, moi je vais aller vendre. Je vais au 174, c'est quoi? C'est de l'orge. Ouais, c'est ça. Bon, je voulais que c'est Et un. colza agricole 175. 175, il est où? Bah, il est juste là-bas. C'est la même C'est mission? au même endroit, hein. Ouais. Et ben, si c'est au même endroit, ben moi je vais. Y a pas. Ouais. Je vais quand même livrer ça pour être sûr, et puis. La benne, elle est pleine, non? Quasiment, ouais. Ouais, donc ouais, vas-y, va vider. Merde, c'est pas là. Oh! Désolé, Jean-Michel, pour ton champ. Quoi ce bazar? On va prendre par là. Hop, allez. Je vous laisse avec un petit accéléré pour un marron de plein de ventes.
Allez, on se retrouve, on a encore fini une mission. Donc, moins deux, parce Deux qu'on a. missions là qui vont être Ouais. finies, ouais, normalement. Obtenir. Donc, on va regarder ensemble où c'est qu'on en est. Alors, revenu des contrats à 14 000. On va calculer ça. C'est 14 472 auxquels il faut acheter 1945. Donc nous sommes à 16 000 plus 3 776. Nous sommes à 20 193 euros de revenus. Super. N'avons même pas fait la moitié et il reste 4 minutes 45. Donc autant vous dire que c'est fini. Finito. On va attendre la fin du compteur quand même, mais voilà. Oui. Vraiment bête, mais bon, c'est comme ça. T'es parti au champ combien? 95. 95, bah c'est près de chez moi En ça. bas, tout en bas à droite. Alors c'est tout en bas à droite. Mais t'es, oui, t'es pas loin, oui. Je Ah suis oui, derrière mais faut que toi. je fasse demi-tour. Allez Michel, allez demi-tour. De toute façon, comme je vous ai dit, hein, la mission qui est en cours, on va la finir. Même si elle comptera pas. Non, non, bah non. On gagnera juste. Elle comptera pas, mais on gagnera le revenu de notre contrat quand même. On aura travaillé, mine de rien. Bah oui, quand même. Si je prends par là. Te rejoindre par là normalement. Hop, non, je vais réactiver la cam pour la fin de la vidéo, désolé les abonnés. Et voilà. Je vais ramener le tracteur, je sais même pas si ça vaut le coup que je descende la moissonneuse. Si. Il est grand le champ quoi. Bon. Bah, il y a le 216 à faire aussi. Oui mais je vais pas en attaquer un autre. 216, je sais même plus ce que c'est. Cela, c'est du blé. Puis 216, c'est du. C'est de l'avoine, je crois, j'ai dit. Ça avoine, ça avoine. Ouais, c'est de l'avoine, Ouais, il a l'air de grand. Si, je peux peut-être descendre la moissonneuse quand ouais. même. Ouais. Ouais, et puis de l'avoine, normalement, ça rapporte pas trop mal en plus ici. Copie là. Je mets le tracteur ici. Hop. La moissonneuse, elle est là. Par contre, la moissonneuse, on m'en fout les pommes, mais on a un peu de contre travers les champs. Il reste 2 minutes 24. Lié. Et on fera le tirage au sort dans la vidéo, vous inquiétez pas, au moins ça récompensera les personnes qui regardent les vidéos jusqu'à la fin. Bon, merci hein, pour les commentaires, les pouces bleus, les abonnements. On n'hésite pas à aller voir toutes les chaînes en description. Jcode1.4, Team GVJ Greg, Monsieur et Madame Fred, Cowboy59, Stéphane le Petit Farmer Charentais, la Team DFB. Ouais, voilà, pas mal de chaînes à aller voir, je vous les conseille. Ou des gens bien. Surtout Jcode1.4. Notre petit Flo, aidez-le. Abonnez-vous, partagez son contenu. Qui dit mission terminée, enfin, qui dit défi terminé, il faut que je fasse le tirage au sort tout de suite. Parce que si c'est la moissonneuse, on n'a plus le droit de s'en servir pour la mission. Ça pue du cul, ça. Selfen, c'est pareil. Avec le bol plus, ça va être mon Ford qui va partir. Il reste 58 secondes, 57. On rigolerait pas du site que j'ai trouvé, mais ça s'appelle Là, par le à droite, tu vas avoir une entrée de champ, je crois. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai contourné le village.
Entre, Ah, c'est entre bon. deux Ah, c'est maisons, bon, je crois que les Nantais. Ah, ouais, j'ai vu, je suis passé. Il reste 20 secondes, nous allons avoir fini, finito, finito, finito. Aïe, pourquoi j'ai lancé un défi pareil? Le prochain défi, d'ailleurs, les abonnés, ce serait bien que ce soit vous qui trouviez, s'il vous plaît, merci. Ouais, faut participer, hein. Ouais, participez, participez. Non, mais on va pas vous payer à rien faire. Ça. Défi fini, yes, ça me l'a mis. Défi fini, allez, on finit le défi. Ouais. Enfin, le temps est fini, hein. Le défi, il est pas fait. Non, fini. Bon, bah, du coup, j'éteins la moissonneuse. Je vous mets la pave d'internet. Toc. Tirage au sort, c'est parti. Papy, t'es prêt? Et même si c'est le. Eh, si c'est le fun, il... la benne va. Ouais, t'es obligé de venir la rechercher. C'est ça. T'es prêt? Vas-y, 3, vas-y. 2, 1. Plouf, 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 plouf. Putain! C'est quoi? C'est le fan. C'est le fan qui part. Le fan qui part, Oh putain, putain. putain. Oh la vache. Un chef! Oh nul. Ah putain de crotte, c'est le fan qui part. Bon bah, Bon, ben voilà. j'espère qu'il est bien repris quand même. Et pas, je vais le ramener au compte social. 1 000. Ah, s'arrêter la moissonneuse, c'était 37 000. Ah, c'était pas mal ça. Et 31 000, 31 000 quand même le FEN. Donc Bah, du coup, ça va faire un coup de 33 000, je pense, au magasin. je remonte avec la benne, comme ça je la décroche au magasin en même temps. Décroche chez nous en même temps. Là, je rappellerai une forme dessus. Ouais. Bon, voilà, un défi, deux finis. Mais raté. Voilà. Par contre, la phrase elle reste, donc ça me saoule. Okay. Je le ferme, ça dit quoi? Voilà. 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 Il faut bien que ça arrive. Ça remonte l'avantage, c'est que ça remonte un peu le compte. C'est le seul Ouais, mais ça va être avantage. pour le banquier, donc ça va. Enfin, le. Ouais, l'émission, oui, quand même, Mission, ouais. ouais. On en fait même pas la moitié, hein, donc hop, je fais mal. On en était loin. Et on fait les Remarque, deux vaut autres. mieux perdre comme ça que à 1 000 ou 2 000 euros près. C'est ça. C'est moins rageant. Putain de négro. Pardon. Je vais remonter ça. Je m'arrête à la ferme, je vous laisse la benne. Le fort du tunnel dans un champ, j'ai eu. Ah, il fait yesh, c'est le fent quoi. C'est mon fent. Ah mince hein. Bon, vous voulez de la difficulté, ben là rien de se rajouter parce que du coup il n'y a que le porc qui va pouvoir bosser à mort. Hein. Ou alors il faudra que quand on a les gros travaux, on loue un tracteur. Ouais. Après, tout ce qui est engrais, pulvée, tout ça, c'est le petit John Deere qui peut le faire, hein. Décrocher la benne, puis je vais au concession. D'ailleurs, le concession il est en train de réparer notre treilleuse. Ouais. Gérard. Je sais pas s'il a reçu des. S'il y a des pièces à changer ou quoi dessus. Ouais, je pense hein, quand même, à un moment, quand même passer Tu ne 5 peux ans dans pas la roue, rester hein, donc. dans la mare. Pour redescendre à pied jusque-là, puis le prendre avec nous. En plus, c'est une livrée, il roule à 53 celui-là, quoi, donc c'était bien pour les livraisons. Ouais, mais il a pas été assez rapide. Voilà. Bon, ben, du coup, bah ben, voilà. Bon, voilà, au concession, c'est bien sûr. Hop, hop. Véhicule saisi par la banque. Combien a-t-il rapporté pour commander ça pour le prêt? 37 000! T'es prêt? Ça va me faire mal au cœur. 1, 2, 3. Adieu. 37 000. Il me faut 37 000. reverser ouais, 35 000. Bah oui, parce que c'est 5 000 par 5 000.
Ouais, oui, bah, de toute façon, on va le faire tout de Bye. suite ensemble, comme si c'était le Ouais. banquier qui avait saisi pour. Ah, donc, 5, 10, 20, 30. Non! J'ai fait quoi là? 5, 10, 15, je crois. Parce que t'as Merde. fait 5, 10, 20. Donc ça fait 5, 10, 15. T'as fait 3 fois. Donc, 20, 25, 30, 35. 35, voilà. Ah, c'est ça, on est à 39 minutes. Ouais. Bon, et du coup, sur le prêt, il reste plus que 125 000. Mais on a un tracteur en moins. Donc, ouais, dès qu'on aura passé le prêt, qu'on aura des sous, il faut racheter un tracteur. On ne pourra pas tenir longtemps comme ça. Non. Et ben, je pense qu'on va se laisser là, les abonnés. On va se laisser là pour cet épisode. Bah, du coup, cet épisode, pour une fois, sortira le mercredi. On n'a pas eu le temps de tourner avant. On a un travail, on a un travail. Mais voilà. on n'a pas de choses à faire. On va vous souhaiter une très bonne soirée. Une très bonne journée, ça dépend quand est-ce que vous regardez l'épisode. Yes. De toute façon, vu que ça va être mercredi, je vais la sortir mercredi matin. Je vais ramener la benne à Profito. Ouais, tiens, je suis plein. Oh, la moissonneuse est pleine. Nous on se laisse là. On vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne matinée, ce que vous voulez en Ouais. fonction de l'heure où vous regardez la vidéo. Donc, ciao ciao bye bye et on se retrouve à la prochaine pour un live ou une vidéo. Ciao ciao! Salut, salut!